Bonjour aujourd'hui, aux abonnés qui sont de ma chaîne. Ah, vous êtes... on est à peu près moins qu'une vingtaine, 19. Vous êtes abonnés sur ma chaîne, je veux dire. Il y en a qui sont désabonnés. J'ai vu que j'ai perdu quelques abonnés. L'autre fois, j'en avais 23 ou 24. Il y en a qui sont partis. Parce qu'ils ont dû voir la vidéo où je parle du programme spatial et qui, eux, n'étaient pas au courant de ça. Bon... Ça a dû les choquer un peu. Ils étaient peut-être pas prêts pour recevoir comme ça un message sur la vérité et la réalité des technologies qui sont à énergie libre. Peut-être qu'ils étaient juste abonnés parce qu'ils ont vu, vous savez, les documentaires qu'il y a sur la chaîne et tout. Alors, je suis désolé de ne pas avoir remis de vidéo. Les semaines passées, parce que en fait, je l'explique, je m'excuse. Hein. À chaque vidéo que je mets sur l'énergie libre et tout, où je dis la vérité, hein, y avait YouTube qui arrêtait pas de me couper, de me censurer. Voilà. Hein, ils sont toujours pour nous espionner, pour nous faire chier. Quand ça m'énervait leurs conneries là. Voilà, ils sont toujours là pour nous espionner, pour regarder ce qu'on met et pour nous empêcher de parler. Voilà. J'ai l'impression que s'ils pourraient me foutre une balle dans la tête comme ils ont fait à John Lennon là, ils le feraient vraiment eux. Non mais ils m'atteindront pas. Hein. Ils m'atteindront pas. Voilà. Ils m'atteindront pas parce que je suis trop. Enfin, ils peuvent pas m'atteindre. Avec les civilisations de l'Alliance qui sont avec moi à mes côtés et ma civilisation de Mars, qui viennent tout le temps me voir tous les soirs sur le balcon, quand je les vois à chaque fois. Les vaisseaux, j'ai contact par télépathie, ils viennent, hein, ils viennent me voir. Hein. Et c'est que positif. Hein. Amour, paix, lumière, hein, c'est pas de négatif. Ça se ressent, ça se voit. Le sourire est là et les larmes aux yeux sont là aussi. De joie, hein, je précise. De joie, hein. Pas de ténèbres, pas de... Hein. Alors... Ils ont coupé, vous savez, ma première vidéo... que j'avais mis au tout début de ma chaîne où je parlais de l'énergie libre. Ben je vais le redire pour pas qu'ils gagnent, parce que c'est moi qui gagne, hein, c'est pas eux. Le monde et la vie doivent évoluer avec l'énergie libre. Voilà, je le reprécise. Au même endroit où j'avais fait la première vidéo, la première fois, où ils me l'ont recoupé. La vie doit évoluer avec l'énergie libre, l'antigravité et l'univers. Et le monde doit supprimer les religions, les trois monothéistes. Il doit supprimer tous les systèmes politiques. Voilà, exactement. C'est avec l'énergie libre, l'énergie du point zéro, que l'humanité doit évoluer. Et même si ça choque les personnes qui m'entendent, je suis là pour choquer et là pour déstabiliser toutes les personnes qui ne sont pas d'accord avec moi. Et même si ça achèvera tout ce qu'ils croient dans leur vie, eh ben ils seront abattus et c'est comme ça. C'est bien fait pour eux. De toute façon, c'est ma mission, hein, d'abattre tout ce que les humains qui ne sont pas avec nous, d'abattre tout ce qu'ils croient et de faire tomber tout ce qu'ils croient parce que tout ce qu'ils croient est faux. Voilà. Je reprécise. Cette vidéo, elle sera mise sur YouTube et j'espère qu'elle ne sera pas censurée. Ben, c'est mon libre droit de parler. Vous savez ce qu'ils disent là, la liberté de penser. On a le droit de penser et le droit d'être libre et d'exprimer. Ils n'ont pas le droit de supprimer ma vidéo. Ils n'ont pas le droit de la supprimer. Voilà. Vous devez évoluer aussi en morale hautement élevée, surévoluer. Vous devez supprimer tous vos crimes, vos illégalités, vos injustices. Je parle aux terriens, hein, pas aux gens qui font partie de la chaîne. Hein. Ceux qui font partie de la chaîne, eux, ils sont déjà comme nous, Indigo et Starseed et tout. Hein. Vous devez supprimer tout ce qui est mal, tout ce qui est impur, tout ce qui est contre nature. Bon, je vais pas préciser, je parle en général. Hein. J'en ai marre maintenant à chaque fois de préciser, à chaque fois. Hein, voilà. Vous devez supprimer les dogmes religieux, les sectes qui pourrissent la vie des gens et qui empêchent et qui bloquent l'évolution, le progrès et le futur de l'humanité. Supprimer surtout les systèmes politiques et d'État. Hein.
supprimer la violence, supprimer l'argent et supprimer tout ce qui est mal. Seul le bien et la lumière doit régner. Seule la paix doit régner. La paix éternelle et cosmique, universelle. Il n'y a que ça qui doit régner. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Ceux qui sont abonnés à ma chaîne et qui sont avec moi, comme Lupine Man, comme tous les amis que j'ai aussi sur Messenger, je vous aime comme mes frères. Et ceux qui sont abonnés à ma chaîne et qui sont dans ce programme dont je parle, je vous aime aussi comme mes frères. Vous comprenez? Vous qui êtes d'accord avec moi et qui comprenez tout ce que je dis, je vous aime comme mes frères et mes soeurs. Voilà. Vous savez, j'ai vécu un truc un peu traumatisant hier. J'ai pas trop envie de le raconter parce que... Enfin... Voilà quoi, hein, j'ai pas trop envie de le raconter. Je crois pas que je suis prêt à le raconter. Il s'est passé un truc hier, quand je dormais, dans la nuit, qui m'a traumatisé. Je pense que... je pense que ceux qui, voilà, essayent vraiment de nous faire du mal à distance. J'en étais choqué, mais j'en ressors plus fort. Et je sais de quoi je parle, je mens pas, je sais ce qui s'est passé. Maintenant, je préfère pas trop raconter, c'est un peu choquant. Ceux qui sont abonnés à ma chaîne et qui regardent mes vidéos et qui ont mon numéro de téléphone, je peux vous le raconter à vous si vous voulez. Peut-être je le raconterai dans une prochaine vidéo, ce qui s'est passé. Mais là, vous savez, au moment où je viens de vous raconter ça, là maintenant, j'ai eu l'impression d'avoir la tête qui tourne et d'être en train de faire un malaise. Maintenant sur moi-même, j'ai tout mon électromagnétisme qui m'entoure, comme un champ de protection contre ça. Je suis sérieux. Je suis vraiment très sérieux, je mens pas. Je suis à la fois fort, mais j'ai à la fois peur. Mais pas peur de eux. Le choc de ce qui m'a traumatisé. Je viens juste ce matin, avec mon énergie interne, d'évacuer tout ça et de me libérer de tout ça. Et de sortir leurs conneries de ce qu'ils m'ont fait. Ces espèces de bande de bâtards. Désolé de les insulter, hein. Mais après ce que j'ai subi hier, ce qui m'est arrivé, je me sens vraiment en guerre contre eux. J'ai même pas envie de dire les noms. La seule chose et les seules personnes à qui je me rattache, c'est les civilisations de l'Alliance et ma civilisation de Mars qui sont tout le temps là et qui m'observent et qui... Bon, ils ont dû prendre vent de ce qui s'est passé. Et ils sont sûrement en train de répliquer, hein, avec des ondes électromagnétiques, en train d'attaquer ceux qui m'ont fait ce qu'ils m'ont fait. Je pense, hein. En train de me venger, à mon avis, hein. Je pense pas que ça va rester impuni, hein. J'ai un message encore cosmique et universel à diffuser.
Les ténèbres ne gagneront pas. Les ténèbres ne gagneront pas. La lumière l'emporte. L'amour positif l'emporte. La fraternité, la paix et le bonheur et la joie l'emportent. Pas les ténèbres. Ils ont déjà perdu. Et la preuve qu'ils ont perdu, c'est que même avec ce que j'ai subi hier quand je dormais, je suis encore en train de faire une vidéo contre eux. Eh ouais. Voilà la vérité. Rien que de vous en parler, vous voyez, ça m'évacue tout ce stress que j'ai subi hier, quand j'ai subi ce que j'ai subi. J'ai pas envie d'en parler, ça m'a traumatisé. N'allez pas vous imaginer des choses, j'ai pas été violé. Hein. Voilà. Hein. C'est jamais, c'est jamais. Mais c'est traumatisant. Je ne suis pas encore prêt à en parler de ce qu'ils m'ont fait. Voilà. Donc, je m'excuse hein, de jamais montrer mon visage encore. Parce que voilà, ils sont là, ils sont méchants. Ils me veulent du mal, ils ont des mauvaises intentions envers moi. Hein. Et ils veulent me faire taire. Il faut que je me recentre sur moi-même aussi. Donc si vous voyez en ce moment que je ne serai pas trop présent sur YouTube, vous en faites pas, hein. C'est parce qu'il faut que je me recentre sur moi-même. C'est vrai que c'est dommage que je montre pas encore mon visage. S'il y a des belles filles qui sont sur ma chaîne, elles aimeraient voir mon beau visage. Je suis beau naturellement. Non, c'était de l'humour. Malgré que je suis vraiment beau naturellement. Mais non, je... Voilà, c'est... d'humour tout ça malgré que enfin j'évite de montrer mon visage parce que je sais pas il y a des personnes qui essayent de m'atteindre et qui ne veulent pas du bien avec ce que j'ai vécu hier quand je dormais. Vous savez pourquoi ils me veulent pas du bien? Je vais vous dire pourquoi ils me veulent pas du bien. Ils savent qui je suis, et ils savent déjà hein, qui je suis. Hein. Ils savent ma personnalité, ils connaissent qui je suis. Pour vous parler un peu plus de moi en détail, je suis quelqu'un de rare. Très évolué en moralité. Je suis pas le genre de personne qui fait des conneries. Je suis très droit dans ma vie. Quelqu'un de très juste et de très moral. Je suis contre les infidélités, je suis contre tout ça. À chaque fois que j'ai eu des copines, ça, j'ai jamais été infidèle, j'ai jamais été comme ça. Bref, bon, ça, c'est juste un détail. Hein. C'est au-delà de ça encore. Je suis très, très, très juste et très moral. Dans la justice, dans la paix, dans l'honneur, enfin, dans la vérité. Quand je parle que l'humanité doit évoluer avec l'énergie libre, doit évoluer vers l'espace, l'univers, doit évoluer avec l'antigravité, l'énergie libre, l'énergie du point zéro et l'univers. Vous savez que l'univers est lui-même un organisme vivant, dont nous-mêmes, en interface avec notre conscience, on peut avoir des interactions et des connexions avec l'univers et interagir avec lui et faire des choses avec l'univers. Est-ce que vous le savez ça? L'énergie libre des technologies
ne se trouve pas que dans les technologies, dans les vaisseaux. Elle se trouve dans notre âme, notre cerveau, notre conscience et notre esprit. Et notre esprit. Et elle se trouve intérieurement en nous, dans chaque être de chaque personne. Et dans notre cerveau, dans nos capacités cérébrales enfouies. Moi, j'ai mes capacités cérébrales qui sont évoluées à au moins, je pense, là, 45% de mon cerveau sur 100. Ce qui est quand même énorme, comparé à la norme. Je peux faire des choses que d'autres ne peuvent pas. Je vois des choses dans le ciel, pas les ovnis, tout ça, hein, qui sont dans les autres fréquences de 5e dimension. Hein. Je vois... Et j'arrive à voir l'éther dont je vous parle, l'éther atomique 432, le dernier élément de l'univers dont je vous parle, j'arrive à le voir dans le ciel et dans l'air. Le vivant, je perçois le vivant. Quand je passe devant des plantes, je ressens leur énergie. Quand je regarde les étoiles la nuit, je ressens l'énergie des étoiles, une connexion entre mon énergie et elles. Et celle des étoiles, de l'univers, des galaxies, des constellations et de la galaxie. Vous comprenez? Il y a cette biotechnologie-là aussi qui existe. Les souvenirs de vie antérieure et le savoir de sa vie antérieure aussi, qui est évolué à ce moment-là. Il y a aussi les sorties hors du corps dont j'ai déjà fait. La création d'énergie libre à antigravité magnétique entre ses mains, dont j'ai en moi et dont j'arrive à faire. Et à créer. Parce que quand on a atteint ce niveau, on ne devient pas seulement avec ce que j'ai cité là, on a aussi l'antigravité, je l'ai cité, j'ai dit, on a aussi la télépathie qui se développe avec. La télépathie, la télékinésie, la lévitation. Tout ça, je l'ai en moi, je l'ai atteint, je l'ai acquis. Je suis en contact télépathique avec les civilisations de l'Alliance et ma civilisation de Mars. Il n'y a pas si longtemps que ça, vous savez, dans le ciel, il y a l'étoile de Vénus. J'ai des contacts télépathiques avec Vénus, les Vénusiens. Je les ai contactés, ils sont venus me voir. J'ai vu leur vaisseau faire des choses à une allure effarante. Une vitesse qui dépasse l'entendement. Des vaisseaux de lumière. J'en ai vu beaucoup, énormément. Ils viennent tout le temps me voir. Voilà. Et tout ça, c'est la vérité. Et eux, ils sont là pour surveiller mon programme et si ma mission se déroule bien. Ma civilisation et les civilisations de l'Alliance. Avec leur aide, j'y arrive. Et même quand ils ne m'aident pas, j'y arrive grâce à eux. Angelo Mariani vous a envoyé une invitation sur Facebook. J'ai reçu un message. Je sais pas qui c'est, je verrai tout à l'heure. Voilà. Donc, les civilisations de l'Alliance, ma civilisation de Mars, et les Vénusiens, les Pléiadiens, et vous qui êtes abonné à ma chaîne et qui me suivez, qui êtes dans mon programme, je vous aime comme des frères. Vous comprenez? Comme une famille. Voilà. Merci de m'avoir suivi. Aux nouveaux qui regardent mes vidéos, abonnez-vous pour plus de vidéos. Et faites passer tous mes messages.
et rejoignez mon programme, ma mission. Ma mission est de faire votre nouvelle civilisation terrienne de demain qui rejoindront l'univers et l'antigravité et l'énergie libre et qui rejoindront les civilisations de l'Alliance et même l'ancienne civilisation terrienne silurienne qui était là avant que moi j'ai connu quand j'étais sur Mars. Et moi, Martien Indigo, réincarné ici, sur Terre, j'ai connu. Il y a des terriens qui doivent rejoindre ces anciens terriens là aussi et qui feront partie des civilisations de l'Alliance. J'ai rencontré un Pégasien au col de Vence, en fréquence de 5e dimension. Il était blanc, de peau, brun. Je lui ai demandé par télépathie d'où est-ce qu'il provenait. Et j'ai eu un message qui disait Pégase. Voilà. Bon, je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et merci de m'avoir suivi.